vu le report subi de l'Assemblée générale élective par le comité d'organisation à travers le communiqué publié sur le forum de l'UPMB le 27 août 2022 à 0h44, vu que le comité d'organisation de l'Assemblée générale élective n'est pas habilité à reporter la dite Assemblée, constatant que le bureau exécutif s'enlise dans la violation des tests fondamentaux de l'UPMB, nous, membres des états-majors de campagne, des candidats à la présidence de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, José Fortuné Merouenou et Fortuné Sosa, réitérons notre opposition au report de l'Assemblée générale élective par le comité d'organisation au regard des dispositions des articles 2, 3 et 4 du règlement intérieur de l'Union. Nous demandons que la liste de tous ceux qui ont payé leurs cotisations conformément aux recommandations de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 août 2022 soit publiée avec les preuves de paiement. Au regard des manipulations et des tripatouillages constatés, nous demandons l'apurement de la liste électorale par une commission mixte au sein de laquelle on retrouve les représentants de chaque candidat. Nous exigeons que par respect du parallélisme des formes, le bureau exécutif convoque une assemblée générale extraordinaire en vue de fixer une nouvelle date pour la tenue de l'assemblée générale élective. Nous condamnons avec la dernière rigueur la violation répétée des dispositions légales et réglementaires des tests de l'UPMB par le bureau exécutif et au premier chef, la présidente. En tout état de cause, nous nous réservons le droit d'utiliser tous les moyens légaux en notre possession pour contraindre la présidente de l'UPMB à respecter les tests de l'Union.